Van de Vries de 3 points, lointain, ça rentre pour Van de Vries. Passe à Lich et Penava pour le pick and roll. Penava, c'est bien sorti pour Henson. Et ça rentre à 3 points pour Peyton Henson. Ouais, ça rentre là du côté d'Ostende. Dans les tribunes là sur le pied de Levi Randolph. Ouf. Ouais, le gros bloc là de Brima sur Tayus. Avec Georgievic qui joue aussi l'écran là de son côté avec Brima et Levi Randolph. Il ouais, y a peut-être une faute d'un côté ou de l'autre là, mais ouh, le dunk, le 2 plus 1 là pour Amita Brima. Et Levi Randolph là qui essaie de pénétrer, ça ressort pour Conger. Van de Vries à 3 points, et ça rentre pour Van de Vries. Le tir au buzzer des 24 secondes. On essaie de feinter, c'est un peu forcé ça comme tir, mais c'est bien récupéré par Boyskart. Et il remonte, et ça fait 2 points pour Ostend. 6 secondes au chrono, belle défense de Nichols. On tente un tir mi-distance, et ça rentre. Ah, c'est dommage, c'était bien défendu par Nichols là. De l'autre côté, on va passer à Lich, la passe à l'aveugle pour Tayus à 3 points, et ça rentre pour Marcus Tayus. On sait nous talonne vraiment cette équipe d'Ostende avec Penava là sur le pick and roll, et ça rentre pour Penava. Il tricote un petit peu là, ouais, il a failli tenter un petit step back à 3 points. Finalement, on l'a lui remet là dans la raquette, et ça rentre pour Levi Randolph. Alors que de l'autre côté, on a Nichols là. Qui ressort bien pour passer à Lich, la fin de tir à 3 points, le flotteur. Ah, je me demande si c'était pas contré par Brida. Mais c'est bien récupéré par Penava qui remet la balle dans ce panier là. Et de l'autre côté, passe à Lich qui prend l'écran de Penava. Il lui met bien et ça rentre pour Penava avec la faute. Passe à Lich, prend l'écran d'Henson. Henson à 3 points, ça rentre. Les rotations sont bonnes du côté de Monseigneur en défense là. Randolph à 3 points. Et ça rentre pour Randolph. Le coup de couteau final. Et on trouve bien Henson avec la faute. Le N1 de Peyton Henson. Et voilà. Victoire d'Ostend ici sur le parquet de la Mons Arena. Et Ostend rejoindra donc Anvers en demi-finale de Coupe de Belgique.